Bonjour, aujourd'hui on parle de la prévention des troubles musculo-squelettiques. Alors, quand on est en position assise devant un bureau, les psoas ici, au niveau du plis-ange, sont rétractés, d'accord? Donc, il va falloir les étirer pour vraiment bien les aider à garder une posture confortable. Si tes psoas sont trop rétractés, trop contractés, ça va t'emmener vers l'avant et c'est là que tu vas commencer à avoir des douleurs au niveau du dos. D'accord? Donc moi, je vais te montrer une petite posture simple qui s'appelle le demi-pont et qui va te permettre d'ouvrir ici l'avant du corps et donc à la fin d'une journée où tu as été vraiment assis, immobile toute la journée, de venir détendre ses psoas. Donc tu vas passer sur le côté, te mettre sur le dos. Tes deux pieds sont parallèles, d'accord? Au niveau des genoux. Donc j'ai mon genou ici, je place le pied à côté, puis l'autre pied. Je prends mon bassin, je viens bien placer mon coccyx et tirer sur le sol. Ma tête, ma nuque, elle est bien longue, mon menton bien dans l'axe. Ok? Tu ouvres les épaules, tu places les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Tu vas bien presser les pieds dans le sol. Je contracte mon périnée. Ici, j'expire, je pousse dans les épaules et dans les pieds, je monte. Et quand je suis en haut, j'imagine que je veux rentrer mes épaules sous la poitrine. Je pousse mes genoux loin, je rentre bien mon coccyx et je le tire vers les pieds pour étirer le bas du dos. Et là, tu vois, ça va ouvrir. Voilà, je vais bien respirer. Et tu vas faire au moins 7 ou 8 respirations. Laisse pas tes genoux s'écarter. Garde tes genoux dans l'axe. Et puis à la fin de tes respirations, tu vas expirer, redescendre la colonne. Tu vas bien souffler toute la descente. Si tu n'as plus d'air, tu restes en apnée jusqu'à ce que tout ton dos soit posé. Tu restes un petit peu dos à plat et là, tu vas ramener les genoux au-dessus des hanches. Pas ici, hein. Vraiment au-dessus des hanches. Pareil, je viens détendre les psoas. Et puis doucement, tu vas garder le genou droit. Et tu vas venir étirer la jambe et je vais étirer mon psoas ici. D'accord? Pied flex. Ton genou droit, tu l'emmènes un tout petit peu sur le côté. Voilà, je viens bien étirer cette partie-là. Si tu veux mettre même le bras vers le haut, ça c'est comme tu veux, c'est pas obligé, hein? Pareil, tu vas rester ici quelques respirations. Puis tout doucement, tu vas faire glisser ton talon. Ramenez les deux genoux au-dessus des hanches. Je stabilise bien le dos à plat. Et puis, je vais venir échanger. Étirer l'autre jambe, pied flex. Tirer un peu mon genou vers l'extérieur. Si je veux mon bras. Et puis, laissez bien détendre le pli de la hanche. Soufflez profondément. Relâche les tensions dans le dos en même temps. Puis, au bout de 7-8 respirations, ramène tout doucement ton pied. Hop, les deux genoux. Et puis tranquillement, tu vas venir te remettre sur le côté et te relever. Voilà, deux petits exercices à faire le soir pour détendre tes psoas.